Nous approchons du dernier symbole. Si la gardienne ne connaît pas l'ordre des symboles, son frère le saura. Le dernier symbole. Un autre élément d'une constellation. Ils doivent aller ensemble. Altair 2, vous me recevez? D'accord, on réfléchit. Hors du tombeau des Théocles, Aletheia a dit que Deimos me montrerait ce que la gardienne ne peut pas. Phidias avait des réponses que Terras ignorait et on l'a tué pour ça. L'héritière est sage. Altair 2, allez, répondez. Leila, c'est toi? Tu as trouvé le symbole? J'ai les trois. Il faut regagner l'Atlantide. En attendant, comparons les symboles que j'ai découverts à des constellations connues. Considérez ces recherches comme un plan B. Le plan A, c'est quoi? Cassandra savait où étaient les symboles, mais elle ne connaissait pas leur ordre. Aletheia pense que Deimos détient ce secret. On a son ADN. Quoi? Leila, tu es folle? Je suis pas dingue. Je suis impliquée. Et vous devriez l'être aussi. Alors quand je serai dans l'Atlantide, je le ferai, que vous soyez avec moi ou non. Alors, es-tu brisant? Je m'appelle Deimos. Non, on dit que tu n'es pas réel. Tu n'es pas réel! Je le suis. Regarde, je vais te montrer. Leila, ton rythme cardiaque s'accélère et ta température approche les 39,5. Qu'est-ce qui se passe? Ithira! Korgat! Metin! C'est tout ce que je sais! Je t'en prie, crois-moi! Je ne suis pas là pour te faire du mal, Phidias. Nous sommes amis. Je veux simplement savoir d'où viennent ces symboles. Tu vas le dire à ton ami, n'est-ce pas? Ithira... Korgat, Metin! Tu veux te fâcher avec ton ami?
danger. Il faut qu'on sorte de là. Non ! N'aie pas peur. Nous mourrons tous. Mais avant, dis-moi... Dis-moi ce que je veux savoir. Il dira... Korgat, Metin. Il dira... Korgat, Metin. Il dira... Korgat, Metin. Leila, on arrête ta session à distance. Ithira, Korgat, Metin. Leila ? Réponds. Vic, tu n'avais pas le droit. J'étais bien obligée. Ta plongée dans l'esprit de Deimos a failli te tuer. L'illicite. Il écoute. Il ? Sigma, j'ouvre le feu. Doc, repli. Kiyoshi a été touché. Altair 2, répondez. Altair 2 ! Vic ! Quelqu'un ! Vous m'entendez ? Le grand saut a suffisamment attendu. Je peux pas. J'ai vu ce que cachait l'esprit de Deimos. Je peux pas contacter l'équipe. L'Animus n'est pas sûr. Les épreuves de l'héritière ne font que commencer. Je veux pas. Je ne suis pas l'héritière. Je pensais y arriver, mais je ne peux pas. Tu le dois. D'accord, Leila. Reprends-toi. T'es allée trop loin pour abandonner maintenant. Très bien. On va faire ce que tu demandes, bâton qui parle. Maintenant, l'héritière doit nommer le premier symbole. Ce symbole, c'est le premier que j'ai trouvé. Et le premier nom prononcé par Phidias était Ithira. L'héritière se souvient. Elle a entendu le nom des symboles et leur ordre. Maintenant, nomme le deuxième. C'était ce symbole. Et le deuxième nom qu'a donné Phidias était Korgat. L'héritière ne fait pas que connaître les souvenirs. Elle les retient en elle. Et maintenant, le dernier symbole. Je me souviens. Phidias avait découvert l'ordre des symboles, même s'il n'en savait rien. C'était Ithira, Korgat, Metin. Leila, tu nous entends ? Vic, t'es en vie ! Des troupes de Sigma ont attaqué le bateau. Kyoshi a été touché, mais j'ai arrêté l'hémorragie. Il nous a sauvés. Ce n'est pas le bâton. Quelqu'un pirate intentionnellement nos transmissions à distance. J'ai chiffré une nouvelle fréquence par sécurité. Tant qu'il y a du danger, faut rester sous les radars. Bon, avant qu'on y aille, comment tu vas ? Ça fait du bien de vous entendre. Écoutez, j'ai déverrouillé le grand sceau. L'Atlantide, elle est ouverte. Je t'en prie. N'y entre pas avant qu'on ait établi une connexion fiable. Je suis aussi impatiente que toi, mais il faut le faire tous ensemble. Entendu, docteur. L'Atlantide patiente depuis longtemps. Elle peut attendre encore un peu. D'ici là, tant que je suis ici, je ne risque rien. Appelez-moi quand Kiyoshi sera sur pied. Il sera heureux d'entendre ta voix. En attendant, l'Altair 2 cesse d'émettre.
Quelqu'un m'entend ? Victoria ? Layla, tu tombes bien. Apparemment, on a réussi à établir une connexion sûre avec du code polymorphe. Impossible à pirater. Ça fait plaisir de t'entendre. Comment va Kiyoshi ? Tu le connais, c'est un dur à cuire. Il ne veut pas que tu t'inquiètes. L'équipe Sigma. Je n'en reviens pas que ces salauds aient trouvé l'Altaïr 2. En fait, notre signal a été altéré par Rotsoberg en personne. Il faut croire qu'il en avait assez de jouer à la Croix Noire et de traquer le culte de Junon. J'aurais dû me douter qu'un de ces fichus pirates d'Erudito s'en prendrait à nous. Tout ça porte leur signature. C'est pas vrai. Otso a tout entendu ? S'il annonce aux Templiers du Premier Cercle ce qu'on prépare, on aura tous les hommes de main d'Abstergo sur le dos. Berg ne t'a pas encore trouvé. On a un coup d'avance. Eh ben, si vous êtes là en renfort, qu'est-ce qu'on attend ? Voyons ce qu'il en est de ce grand saut. Oui, Victoria ? Tu verras. Bon, très bien. C'est parti. Cet endroit est gigantesque. Wouhou ! Ça ressemble à des trônes. Mais qui étaient les rois et les reines ? Bonjour, Layla, héritière des souvenirs. Nous nous rencontrons enfin. Il faut croire que les rebelles trouvent toujours une solution. Ravie de te voir, Aletheia, en chair et en os. Ou en hologramme. Nos réalités étaient destinées à se croiser, ce n'était qu'une question de temps. Il semble que nous ne soyons pas seuls. Victoria ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Layla, c'est beaucoup trop dangereux de te laisser y aller seule. Je tenais à garder un œil sur la situation. Qui est-ce ? Voici Aletheia, la voix du bâton dont je parlais. Une Issou, Victoria. Incroyable, n'est-ce pas ? J'ai eu tout le temps d'étudier les nuances du langage humain. Alors j'aimerais être autre chose qu'un bâton qui parle. Tu es sûre qu'on peut lui faire confiance ? On doit lui faire confiance. C'est elle qui nous permettra d'en savoir plus sur le bâton. J'ai toujours su que l'héritière des souvenirs serait aux côtés de Cassandra, la gardienne. Tu n'étais pas aussi visible. Es-tu digne de confiance ? Naturellement, je suis médecin. Et je me dois d'être présente pour garder un œil sur la santé de Layla. Elle ne nous gênera pas. Peu importe. Ce voyage est le tien et celui de Cassandra. Tu auras besoin de force pour résister au pouvoir du bâton. Cassandra gagnera du pouvoir pour elle et pour le bâton. Et tu ressentiras physiquement ce lien. Pas question d'y envoyer Layla. Une plus grande exposition aux technos de la première civilisation pourrait se révéler dangereuse. Pas moi, Victoria. J'irai simplement dans l'Animus et c'est Cassandra qui le vivra. N'est-ce pas, Aletheia ? Ton périple débutera au même endroit que celui de la gardienne. L'Animus te montrera son trajet parmi les simulations. Si tu en es sûre, Layla. Il faudra être très prudente. Je serai là pour te suivre avec... elle. Tu es prête ? Prête et motivée. Souhaite ma bonne chance. Partage le sang de ceux qui étaient là avant. Elle est liée aux Issou.
Le sang partagé doit aussi être offert. Alors le grand sceau s'ouvrira pour nous. Si tu le dis... Bienvenue, gardienne. Tu es entrée dans la grande salle des trônes de l'Atlantide. Cette salle abrite des vestiges de technologie issue que j'ai adaptée pour que tu entames ton périple. Tu as certainement des questions. Tu as dit que cette salle était destinée à l'héritière des souvenirs. Mais j'y suis entrée facilement. Tu as payé le prix du sang. Un sang qui ressemble au nôtre quand on y regarde d'assez près. Ma mère a toujours dit que notre sang recelait un pouvoir. Il faut croire qu'elle avait raison. Cet endroit... Pythagore connaissait-il son existence ? Non, je ne le lui ai pas montré. Cette salle a été bâtie par les Issous pour abriter autre chose. Ces trônes n'étaient jadis que des trônes. Aujourd'hui, ils renferment mes simulations. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Il faut que je fasse autre chose ? Comme toujours, gardienne. Quand Pythagore avait le bâton, il n'a cherché qu'à assouvir sa soif de connaissance. Il était faible, ce qui n'est pas ton cas. Le temps sera long avant que l'héritière des souvenirs endosse le fardeau du bâton. Le seul moyen de le porter consiste à acquérir la force nécessaire. Tu trouveras cette force dans l'Élysée. Les enfers t'attendent, gardienne. Les enfers ? Je suis vivante. Comment revenir des enfers si je suis vivante ? Ces portails sont des simulations. Je les ai créés pour toi. Dans l'Élysée, tu trouveras des sources de pouvoir appelées les visions de la gardienne. Elles affecteront la gardienne et l'héritière des souvenirs. Il faudra progresser dans les enfers pour trouver toutes les sources de pouvoir. Tu me demandes une confiance aveugle, Aletheia. Tu t'es engagée envers moi et notre cause commune, gardienne. N'oublie jamais que je suis dans ton camp. Je ne laisserai pas ceux qui étaient là avant diriger ton sort. Trouve la force en toi et prouve au bâton ta valeur. Approche du premier portail quand tu te sentiras prête. Impossible de revenir en arrière. Il faut lui faire confiance. Aletheia améliore l'arrivée. Oh.
Tu n'es pas à ta place ici. Oh,